policier qui a contrôlé la machine. Ça. Il dit pas aucun effort qui fait par la police vraiment pour permettre que pour montrer qu'il y a combat de kidnapping. Il n'y a pas de voix ensemble organisation politique dans l'opposition. Et dirigeant lui dénonce phénomène de sécurité généralisée pays a fait face à dernier jour ça. Militant politique exigé démission DG la police Léon Charles. Il dit qu'il est responsable insécurité à qui gagne dans la société. Nous pour le permettre au côté intervention et dirigeant lui qui a tenu micro Peterson Blaise qui les mêmes tout. Tu as réagi sur le phénomène insécurité puisque c'est plusieurs secteurs dans la vie nationale là qui a dénoncé le phénomène insécurité et puis qui a demandé et démission DG à IAPNH en côté dire Jean-Louis. Je dis à nous-mêmes, nous avons des années à parler d'insécurité. À une époque, nous avons venu dire insécurité à ce insécurité d'État. Et je vous dis, c'est le même groupe Nexaouk là qui a rentré avec ZAM, qui a rentré, qui a mis ZAM dans le cadre populaire. Je dis à côté insécurité ça personne monde pas épanier si monde pas épanier grand monde pas épanier professeur l'école pas épanier pasteur pas épanier policier pas épanier mais je dis à ça que fait nous plus mal. Je dis à nous dit la police là là pour servir et protéger. Je dis à dans le pays d'Haïti quand on est la police ou d'abord courir parce que je dis à nous même qu'on a dit son mal nous prend des années n'a dit je dis à c'est des uniformes qui rentrer ouais dans tout côté. Elle dit bandi en soi yo gen uniforme que la police. Je dis c'est ça que fait là on est dans en police habillé en couteau t'as supposé courir. Bon, Léon Charles qui là qui vient dans tête la police à comme papa tout d'un coup. Je dis à monsieur campé, il croise des boiles, il ferme les yeux sur tout monde qui vit là. Je dis à tout monde mettre mourir sauf Léon Charles vive. Je dis à comme nous dans notre pays là, nous gen Ariel Henry qui joue rôle président qui ou joue rôle premier ministre. Je dis à nous-mêmes, dans l'ensemble des partis, des organisations politiques, MOSED, qui c'est mouvement des citoyens engagés pour la démocratie, nous dis à Ariel Henry levé pied. Parce que je dis à si Ariel Henry pas levé pied, ça qui vient d'être Ariel là, c'est un tremblement de terre, 9.9, goudou goudou. Bon, je ne vais pas dire sectoriel, parce que si je dis sectoriel, ça peut le traverser là, il va le traverser. Même si tu es d'ailleurs, il ne doit pas. Et voilà, d'un côté, déclaration, une non-propole, ensemble, organisation politique d'opposition, qui c'est Edir Jean-Louis. L'autre point, une actualité, situation compatriote haïtienne, qui je dis à l'an, pile pays, semble faire mettre tête ensemble pour pimper, voyez, ben nous, plusieurs compatriotes haïtiens. À côté d'autorités américaines, qui voyez plusieurs milliers de compatriotes haïtiens, ben nous, les autorités et cubaines, tout qui rentrent dans la même réalité, ça. Nous apprendre que samedi, qui était 9 octobre 2021, il y a un gros bateau au cubain qui dépose yon coupa 350 haïtiens nan port APN nan soubi centenaire selon yon employé sous plaque qui était les mêmes tab grand côté ça avec divers médias parmi yo nous même ça la nouvelle radio méga selon yon employé sous plaque qui t'a ba information ça citoyen ça yo quitté sous yon petit bateau qui t'a prend direction pays États-Unis mais perdu dans la mer Cuba ça veut dire yo perdu direction yo y a la boutte dans la mer Cuba mais autorité cubaine yo décidé prend haïtien ça 350 haïtiens et puis pimpeo voyez ba non pas ici c'est samedi qui était 9 octobre 2021 toujours dans sa question déportation gain autorité guatémaltèque qui rivé sauver 126 migrants parmi eux 106 haïtiens qui étaient manqué mourir dans un conteneur manqué mourir tout fait yo rivé sauver grâce à un policier guatémaltèque qui a attendu lorsque t'a prélé dans un conteneur s'il j'en dédié à tout gain plus passé là 7500 haïtiens qui déjà déporté environ 2 semaines maintenant pas boy site côté autorité a décidé à pas voyer ban pas boy site plusieurs compatriotes haïtiens situation ça qui est commencé ban pile problème bon côté en pile monde qui dit que pas comprendre façon autorité dans divers pays dans monde là a voyer tourner haïtien ban pas boy site n'avancer toujours dans même dossier ça gain un groupe 16 sénateurs américains qui voyons lettre tout l'ouvri bail responsable département sécurité intérieure pays États-Unis ensemble avec responsable département d'état pour exprimer déception yo ak indignation yo face à ka mauvais traitement autorité au bay immigrants haïtiens yo sous aux frontières parlementaire ça au mandé pour haïtiens qui rivé sous frontière Texas non joine accès pour mandé asile et pour administration Biden nan mette campé un programme réintégration pour haïtiens yo déportés en Haïti yo
Sénateur a dressé un tableau macaron de situation politique et sociale dans le pays d'Haïti. Une situation qui vient empirer avec assassinat ancien président Jovenel Moïse. Non, ça qui vient plonger le pays en crise. Puis font toujours d'après sénateur américain Sayo. Côté non premier ministre Ariel Henry cité comme une monde qui a participé dans le complot pour tuer président Jovenel Moïse. D'après ça qui écrit dans l'élan, parlementaire mandé pour pays États-Unis nommé sans perditant. Yon l'autre envoyé spécial sur dossier haïtien pour administration Biden nan aider haïtien yo entamer un dialogue en politique entre société civile et acteurs politiques yo. Effectivement, et que autorité américaine yo, administration Biden nan nommé yon l'autre envoyé spécial pour Haïti. Ouais, Joe Biden a parlé pour voir un nouveau hémisphère dans le pays d'Haïti. C'est Usra Zeya qui c'est sous-secrétaire d'État sécurité civile pour démocratie ak droit moun. Sorti 12 pour arriver 16 octobre, Usra doit rencontrer plusieurs acteurs parmi le premier ministre Ariel Henry pour joindre route pour un dialogue inclusif national. Nous avons gardé toujours avec la question situation autorité américaine face avec Haïti, gain OPC, Office de protection citoyen, organisme étatique mais qui est indépendant, et pour cap défendre question droit moun, surtout haïtien yo, compatriotes nous yo, nous encourager avec autorité haïtienne pour capable dire un mot pour éviter que déclaration Donald Trump là li inciter Sandri Lé en pile problème la haïtien côté n'a prendre sans ce président américain qui traite qui fait connait un bien majorité bien haïtien qui en bas pour exercer yo même là c'est des monde qui gagne maladie et quatre lettres là bande qui gagne sida permettre que on dit ça et qui vient pimpel qui vient bas américain l'autre bord des paroles Donald Trump et n'a rappelé Donald Trump qui était déjà traité haïtien yo et latrine hein toute latrine tout bas senti merde j'avais dit Donald Trump qui les mêmes participants de faire des déclarations et compte surtout haïtien mais OPC qui mandé avec autorité haïtienne autorité par bosse surtout et ambassadeur Haïti dans les États-Unis pour capable prononcer rapidement sur ça office de protection citoyen qualifié raciste et discriminatoire propos ça que ancien président américain Donald Trump les mêmes ni fait dans une interview libre avec Fox News Network j'ai dit qu'il était 7 octobre dernier bien dans point ça. Oui, c'est quoi? Faut que l'autorité haïtienne dit un mot pour permettre que pour yo et dit avec Donald Trump, un salab dit à la, li pa gen place li. Et d'après ça, OPC dit, pays qui avance avec la question élimination VIH SIDA vers l'année 2030. Avec un taux qui t'a dû estimer 2%. Ça veut dire un pile effort fait jeudi à la, non, monde pour garder comment capable de baisser, s'endriller et chaîne de transmission, maladie sexuellement transmissible, surtout VIH, puisque jeudi à la, et ils font un pile effort pour capable de médicaments avec des monde qui ont même touché et infecté avec virus VIH SIDA. L'autre information. On a toujours été réaction sur décision président Joe Biden prend pour un nouveau hémisphère dans le pays d'Haïti. Une opération tête ensemble qui minimisait décision ça. Ben porte-parole secrétaire Abel Déconne fait quoi ici pays États-Unis qui premier handicap à solution crise là façon l'a soutenir Ariel Henry sous pouvoir. On s'est député à faire connait situation vienne plus compliquée à cause de quand tête calé à gommer pour contrôle pouvoir pendant population continue à souffrir. Jovenel Issio contrôle plusieurs boîtes d'État pendant Ariel Henry gagne un bon parti tout dans l'État nan non Michel Martelly d'après Abel Décolline qui était dans micro malé samedi. Les États-Unis li toujours fait preuve de on politique qui pas dans intérêt nous et c'est ça que j'appelle la diplomatie de l'usure. Vous l'avez dit, c'est comme si gon énième émissaire qui pourrait arriver pour faire croire. OK, pour faire croire, c'est que faut te venir, il fait plusieurs voyages, il tendé, il retourner, l'autre monde vini encore, yo dou yo vini retourner, yo voulait une solution à l'haïtienne. Alors que premier handicap dans la résolution de la crise haïtienne, c'est les États-Unis puisque la réalité nous connaît et solution haïtienne, yo di ap tannan faut que c'est une solution que eux même yo voulait, solution que yo d'accord parce que le maintien ou la force de Ariel Henry jusqu'à présent n'est pas dépendre de société haïtienne, non. C'est parce que quelque part, il gagne soutien des États-Unis d'Amérique. Donc, moi-même, moi encore pessimiste, mais encore plus pessimiste avec dernière évolution Sayo, la sortie, je résume, la sortie de Daniel Foot qui fait des déclarations sans équivoque, donc lui montrer pas capable de gagner un accord qui inclusif avec le premier ministre Ariel Henry.
Commission pour chercher une solution haïtienne à la crise l'a présenté vendredi passé à la bureau suivi accord 30 d'août l'an. Dans Pétionville, comité suivi ça gagne 21 membres qui sortent dans la société civile à cas politique. Bureau suivi accord 30 d'août l'an gagne diverses missions tant coup diffuser et puis faire promotion accord 30 d'août l'an dans l'idée pour plus acteurs venir renforcer accord ça et puis nommer conseil national transition avec organe contrôle transition. Mandat bureau ça a fini après installation tout organe qui a constitué transition. En côté déclaration, Jacques Ted syndic, yon nan man biwa qui était dans micro, Jean-Wilner Sever. Donc, nabli article 4 qui nan annexe 1 accord là, il dit le bureau de suivi est responsable de veiller au respect des dispositions de l'accord concernant l'installation des organes de la transition. Il doit notamment, petit A, définir les procédures de mise en application de l'accord, critères de choix, feuilles de route, diffusion et la promotion de l'accord au fin d'obtenir la plus large adhésion possible et le soutien de la population. Petit B, procéder à la formation et à l'installation du Conseil national de transition et de l'organe de contrôle de la transition. Petit C, négocier et organiser avec le comité représentatif des acteurs de la société civile et des partis politiques signataires de l'accord, la passation de pouvoir avec le gouvernement en place. Petit D, assurer le secrétariat technique de la coordination du Conseil national de transition, sans voix délibérative. Petit E, observer et commenter le processus électoral pour la désignation du ou de la présidente, du président ou de la présidente de transition et du ou, de, ou du chef de gouvernement ou de la chef de gouvernement. La commission de recherche d'une solution haïtienne à la crise arrête en concertation avec les organisations et secteurs concernés la composition du bureau de suivi, ce qui a été déjà fait. Et l'on démarche vraiment démocratique que nous pensons qu'il n'y a pas participé et qu'il ne s'est pas fait. Nous avons idée, nous avons écho de comment ça passe. Les fonctions du bureau de suivi prennent fin avec l'installation tous les organes de la transition. Ernst Mathieu représente un secteur politique à Nabiou appelé d'en faveur une unité n'a mis tout acteur au Nabiou à l'idée pour arriver à atterrir à la commission. Yo gagné Bio a déjà gagné un plan d'action tant qu'on écrit différents secteurs dans la société civile, politique et diaspora pour être capable de procéder à la désignation de la Conseil national transition. Ernst Mathieu est dans le micro Radio Omega. Bio suivi a entré en fonction le 20 septembre. Et où est notre Bio suivi a gagné quatre composants. Il y a une commission, il y a un secteur dans la société civile là qui parle en commission, il y a un secteur politique là et il y a un secteur populaire avec les organisations paysannes. Il faut que nous joignions une unité et une unité de vision, une unité d'orientation stratégique, nous invitons nous pour mener le travail qui correspond à mandat du groupe civil. Après ça, nous établissons plan d'action du haut suivi avec calendrier pour mettre en œuvre action. Si j'ai du haut suivi organisé, l'organisation du haut suivi, parce que du haut suivi a gagné 21 membres, 13 membres commission, 3 membres secteur politique qui représentent le secteur politique là, 3 membres qui représentent la société civile qui passe dans la commission et 2 membres qui représentent l'organisation. Gagné secrétaire général RDNPA, Eric Jean-Baptiste, qui continue de plaider en faveur en fusion 3 accords pour jouer une graine alternative. Une démarche qui a porté non un gros consensus historique. L'idée RDNPA encourage acteurs à mettre ranking sous côté, primer plutôt intérêt paysan, mettre intérêt personnel sous côté tout pour capable jouer une solution cap dans intérêt tout paysan. Malgré plusieurs acteurs politiques qui ont participé dans la rencontre, ça, Eric Jean-Baptiste démenti. Eric Jean-Baptiste qui persuade de gagner une commission qui était mettée sous pied pour continuer discussion sur une possibilité unifiée à Koyo. Joseph Lambert, Evans Paul, Capé, Edmond Suplice Bozil, c'est quelque part parmi acteurs qui était doué faire partie commission ça, d'après l'idée RDNPA Eric Jean-Baptiste, qui critiquait comportement certains acteurs politiques qui a dit qu'il n'y a pas jamais qu'un parole. En côté Eric Jean-Baptiste.
nous-mêmes dans RDNP, mais ça nous ouais, mais comment nous ouais que situation capable et changer. Nous te expliquerons que nous pour le grand compromis historique national. Le grand compromis historique national, c'est qui ça? C'est et garder comment les trois accords qui c'est protocole d'entente national là que nous-mêmes RDNP nous signons et qui en application à 50% parce que c'est lui-même qui va payer Mariel pour certaines légitimités, mais on a 50% de coûts qui est en l'air. Qui c'est accord Montana qui a des bons bagages là-dedans, mais nous avons deux gros points de désaccord ensemble avec lui. C'est formule pour nommer qui est président avec durée qui est de transition. Hein. Qui c'est gouvernance apaisée PM Ariel là que nous avons des désaccords ensemble avec lui. Nous disons que et nous pensons, nous suggérer, nous croyons à travail pour que ces trois accords capables de fusionner ensemble. Non, mais si il y a autant de désaccords, ça, Eric Jean-Baptiste, c'est comment fusionner? Si RDL a autant de désaccords avec Ariel, accord en septembre, accord Montana, comment va fusionner? Et Blaise, le Wapli et les trois accords, premier ça qui peut intéresser vous, c'est qui maximum côté que nous d'accord. Et qui est un pile côté que nous d'accord. Maintenant, premier côté que nous avons des accords, il faut que nous capables de ne pas oublier que nous avons le grand compromis historique national. Il faut que nous capables de des compromis qui permettent que ou perdre du mot sous n'importe là, ou perdre du mot sous n'importe où, il y a marché contre ensemble avec l'autre. Secrétaire général RDNP Eric Jean-Baptiste pour explication sur parole qui fait quoi te dit hémisphère mais que li paré pour gain prochaine élection yo à cause li gain l'argent ici en milat gain plusieurs acteurs politiques qui t'en rencontre ça qui dénoncé par ça na radio. Eric Jean-Baptiste préciser l'étape expliquer étranger yo pays sous risque explosion à cause misère grand goût insécurité malheureusement si là qui gain l'argent qui gain couler même Jacques li qui pour subir son masse peuple en côté Eric Jean-Baptiste toujours dans micro Blaise Peter. Vous songez cette fameuse phrase, la religion c'est l'opium du peuple. Mm-hmm. Et cette fameuse phrase, vous savez. Et bien, puis, les phrases ça prend pour contre lui, et lui qui avait dit, ça savait dire. Mm-hmm. Mais mon qui connaît lui, il y a lui, il y a ouais qui ça, et Marx, et t'a parlé, il a dit, la religion c'est l'opium du peuple. Nous-mêmes, nous avons expliqué par les étrangers, que nous te disons déjà, il y a 200 000 Haïtiens qui vont le prendre en mer. Il y a 300 000 qui ne même pas plus qui vont le passer en bas fil sous frontière. Et malheureusement, nous voyons que nous avons raison. Et nous te disons, si nous ne pas prendre le taureau par les cornes, et bien, journée aujourd'hui, nous risquons pour nous venir au Rwanda. Et, je vais ajouter, même Éric Jean-Baptiste qui a défendu la population, hein, dans toute composante li. Secrétaire général RDNP a critiqué dernière déclaration Elena Lim dans Nations Unies côté elle fixer élection en Haïti dans l'année 2022. L'idée RDNP a croé autorité ont été créé persona non grata par rapport à sorti Pétionville, ont évité zone Delma 95 qui était gain des ordres à cause arrestation Tigreg. Ils ont été obligés à aller passer par Boudon pour capable aller Delma 31 rivé zone Bomea dans crison individu kidnappé vers 8h45 yo. Individu ont demandé deux gros sommes l'argent pour victime ont joindre libération yo un montant en goud avec un lot qui en dollars poche là qui révélé nous moment demandé à rédaction pour pas communiquer même j'ai un pile l'autre proche victime consulté ça tout après Zak kidnapping ça selon témoignage proche Paola Tronas ak Fegens Joseph yo parlé à Kyo depuis samedi matin c'est depuis les ça tout yo gen nouvelle yo pour qu'on a formé en souhaité joindre libération Paola Tronas ak Fegens Joseph parce que l'agent ça ravissé au mandé yo pour connait côté yo après joni c'est pas celle deux moun ça qui victime Zak kidnapping que l'autre Zak kidnapping tout qui fait pendant week-end gagné body kidnappé samedi en tout madame docteur Jefferson Paul cap travaille dans MSPP on ça passé dans rue Macadieu Delma 40B kidnappé au mandé 250 000 dollars américains pour libérer d'après quelques témoins kidnappé au Tabia qui uniforme la police.
n'a toujours été dans question qui a kidnappé qui fait pendant le week-end après attaque que tu as fait négaxam tu as fait contre première église à Baptiste rue de la Réunion dans la qui était 26 septembre 2021 côté Jack Sinelafa était basé la ville et bien tu as kidnappé madame lui mais par la suite pendant semaine d'après lagué madame Jack Sinelafa mais nous songeait tout bandit qui a kidnappé pasteur Jean-Marie Ferré Michel avec des autres fidèles dans l'église à 1800 Delma 29 et qui jusqu'à présent qui nan men ravise yo mais nous apprenons tout individu armé qui gen gros âme nan men yo kidnappé samedi qui 9 octobre dans la Kali et dans la plaine pasteur Elodore Devaris bien pasteur Elodore Devaris lui-même qui a dirigé l'église à méthodiste libre et que tout le monde connaît sous nom pas quel chrétien l'église qui trouvait dans Delma 28 B zone bois tribunal de paix et zone Kafou aéroport zone Delma côté ravise yo déjà demandé gros somme l'argent avec famille et pasteur Eliodor pour capable libérer lui c'est ça une information lui-même lui est confirmé malgré que autorité concernée a annoncé la question et opération marché prend yo ça pas fait bandi ni chou ni frette yo continue à kidnapper moun en dans pays en situation ça qui baille en pile qu'elle est sauté nous apprend tout pendant week-end dans tout gagne une jeune demoiselle ça qui est bandit kidnappé qui c'est Merceline Aimable qui c'est membre l'église paroisse Notre-Dame d'Alta Grâce sous au sol qui est bandit kidnappé le vendredi 8 octobre 2021 dans niveau au Matissan ravisseur qui m'a demandé $600,000 américains pour capable libérer Merceline Aimable les mêmes tout qui c'est étudiant en faculté de droit Port-au-Prince et qui c'est membre paroisse Notre-Dame d'Alta Grâce sous au sol bandit kidnappé pendant week-end. Za kidnapping yo qui y persistent augmenté chaque jour en dans pays. Et n'a prêté la même question sécurité, ça qui est pour avec la question ressortissant que gain quelques jours là, gain plusieurs ressortissants que mais yo au power Haïti sécurité disparition des ressortissants étrangers depuis la date qui était 6 octobre passé à Joël Pineda et Luis Diaz, deux chauffeurs dominicains que jusqu'à depuis 6 octobre, y a cherché pas jamais capable yo, c'est ça journal dominicain Listendia lui-même n'est rapporté. Président de la Fédération nationale de transport dominicain Ricardo de los Santos a confirmé information ça vendredi avec divers médias dans le pays d'Haïti. Depuis nouvelle ça que autorité dominicaine eux-mêmes a cherché couche fou de ressortir dominicain ça Joel Pineda à Calus Adias que il peut porter disparaître yo pas jamais depuis plusieurs jours. Le président Fenatra Doa lui-même a caché inquiétude face avec les disparitions de ressortissants dominicains Sayo. Ricardo de los Santos a souligné que la situation sali même jodi a la que Haïti a fait question sécurité a prolongé sous haïtienne les gros gros impact sur divers ressortissants parmi eux ressortissants dominicains. C'est ça comme information dans en question insécurité qui participe en j'arrête en de pays pendant tout week-end nan. N'a venu tout avec information ça concernant ça qui passé pendant week-end nan. Qu'est-ce qu'off nous t'ai dû parler avec exécutif intérimaire qu'est-ce qu'off là nous pour capable montrer en contact ensemble avec lui mais n'a toujours venir avec lui pendant journal là mais entre temps qu'est-ce qui s'est passé il y a quatre monde qui perdit la vie yo et plusieurs autres ont sorti blessés dans yon kay qui est passé en bas gros flamme diffé dans la nuit qui était jeudi 7 pour l'ouvrir vendredi 8 octobre 2021 côté dans zone Rezankou dans commune qu'est-ce qu'off côté habitant dans zone là yon jeudi tout le gars son groupe jeune garçon qui a qui est à commettre Zaksa. J'en dis à la plusieurs nèg armée, yo similaire tout bas et la terreur dans la nuit qui était 7 pour le vendredi 18 octobre passé dans la localité Rezankou dans commune Kenskof qui trouvait dans le département de pays et d'Haïti. Pour plus petit, 4 monde ont perdu la vie yo, et plusieurs autres sorti blessés. Parmi moun ça nous joindre un peintre qui c'est Jacob Tebo qui est parmi moun qui mouri yo. Attaque ça qui fait là selon Jean Mounio Dia c'est un groupe nèg armé qui t'a sorti dans localité qui est les Des Chapelles dans en commune Kenskof. Une dizaine caill en tout passé en bas gros flamme difé, gont tifiette qui gè 12 l'année qui parmi moun qui blessé yo et qui t'a transféré rapide presto dans l'hôpital. La population dans zone ça yo même qui obligé quitter zone là et qui mandé secou autorité policière pour capable garder dans quel niveau yo capable battre contre nèg armé sans cap problème dans zone ci là depuis quelque temps.
N'a toujours été une information question insécurité que autorité policière eux-mêmes qui présentait bilan travail la police en fait pendant jour passé. Oui, porte-parole PNH Marie-Michel Veille qui présentait bilan opération marché prayo ak boucler Port-au-Prince la police menée sorti 1er septembre pour 7 octobre là. C'est en total 27 opérations ciblées la police menée dans diverses régions dans pays parmi 12 dans l'ouest, 825 individus jeunes arrestations pour divers chefs d'accusation en tant que vol, viol, association malfaiteur, kidnapping, trafic d'armes à drogue. Pas d'opération ça, la police a stoppé 20 autres individus, 29 armes saisies, 5.25 kg cocaïne ak 249.91 kg marijuana saisie d'après Marie-Michel Verrier qui était dans micro José Belamour. Pas de période ça, la police mène 27 opérations ciblées sorti 1er septembre pour arriver 7 octobre 2021. Opération ça yo, gen 12 qui fait dans l'ouest, 2 nan Nip, 4 nan Centre, 3 nan Nord, 3 nan Artibonite, 2 nan Nord-Ouest, yon nan Gada. Et 825 arrestations rive fait que toute arrestation ça a fait dans tous 10 départements pays a pour vol, viol, association de malfaiteurs et kidnapping. Gen 29 armes qui rive saisi, gen 150 véhicules qui confisqués, 37 machines, 110 motocyclettes, 3 camions. Il y a 20 individus qui stoppés. Il y a 5.25 kg de cocaïne et 249.91 kg de marijuana que DCPJ à travers l'unité libérale TS rivé saisi. La police rivé aidé 354 camions citernes remplis de carburant qui étaient vareux pour aller dans plusieurs pompes à essence. C'était pour période 2 octobre rivé 6 octobre. Kidnapping yo baissé considérablement par rapport à opération qui était lancée par commandant en chef là dans la police là côté il était lancé opération qui était relé barricade Port-au-Prince suite à opération boucler Port-au-Prince sorti dimanche 26 septembre rivé mardi 7 octobre PNH enregistré seulement 8 cas kidnapping. La police nationale présente présumé chef gang Ernst Julmé alias Tigreg qui t'a opéré dans Delma 95. Yon ancien policier ensemble avec un autre individu qui était jeune arrestation. Là, j'ai dit passer à la zone ancien cimetière Pétionville, non checkpoint. La police jeune dans machine sa yon zam ak plusieurs cartouches. Faut que nous dit présumé chef gang Tigreg t'est décomposé dans moment la police t'a présenté là. Yon t'est obligé faire appel à un médecin pour venir bal soin cal nécessité. Écoutez toujours porte-parole PNH inspecteur Marie-Michel Verrier, toujours dans le micro, José Belamour. Hier, qui était 7 octobre 2021, dans le cadre d'une opération qui baptisait Boucler Port-au-Prince et Marché Prenyo, toutes les opérations sont en cours, une équipe Boyd, dans un checkpoint, mettait main sous deux individus, qui c'est Jules May Ernst, alias Tigre, et Lubin Junior Ridge. De M. Sayo, équipe Boyd arrivait procéder avec arrestation à bord d'un véhicule sans plaque de marque Acura de couleur bleue dans une Pétionville tout près, ancien cimetière Pétionville. Il y a plusieurs accusations qui pesaient contre M. Sayo. La police s'est joint un pistolet 9 mm à bord véhicule Sahara et l'autre munition, un projectile pour calibre 12 et 762. Et la police arrive procéder à l'arrestation pour qu'on y a l'une des CPJ qui se présente nous là. Libre à répondre à la question des CPJ sur toute accusation qui pesait contre lui. C'était un membre de la police nationale d'Haïti, mais c'est un monde qui était abandonné pour lui et qui était trouvé dans l'autre action. Et par rapport à la situation, ça, il était trouvé par l'institution encore. Voilà l'autre information dans le journal Mega Matin. Nous prenons, avant même nous avancer avec l'autre situation et déportation compatriote haïtienne, nous prenons venir avec DGA et la police qui c'est Léon Charles, lui-même tout qui était dans quatre conférences qui était placé Mopal. Directeur général PNH Léon Charles démenti information qui fait quoi la police a reçu voix pression pour libérer présumé chef gang Ernst Julmé alias Tigreg. Léon Charles fait connaître qu'il y a la police qui contrôle gang Amissa pour renouveler détermination pour traquer tout un groupe armé qui a fait la loi dans le pays et puis reprendre le contrôle tout un commissariat antenne PNH négatif attaqué le mois juillet passé en côté Léon Charles Namiko José Belamou. Il traduit détermination de la police pour continuer de travailler qui c'est traquer bandits, rechercher tout le monde qui a commis infraction et tout type de crime qui a commis sur le territoire. Pour Tigre, pas de pression, pas de pression. PNH n'a pas de travail sous pression. Des pressions dans la rue, il y a un peu de critique, nous voulons être professionnels. C'est une gang que la police a contrôlé pour nous.
dossier Abraham Monté a été avec recherche, mandat de L.I. La police judiciaire fait travail pour nous mettre lui par la justice. Absence la police dans certains lieux de police, commissariat, oui, bon problème pour ça. Et la police a travaillé pour retourner occuper l'espace. Absence la police dans l'espace, on a expliqué par toutes sortes de problèmes qui viennent dans le pays. Gang de tous côtés, gang les faire la loi, mais on a pris disposition au fur et à mesure pour nous réoccuper l'espace. J'en ai fait avec tout secteur de la population. Rencontre de travail fait pour l'État qui déjà prend disposition pour renforcer la capacité de la police. Là. Et puis tout avec des membres du secteur privé qui travaillent avec nous pour une qui mesure nous capable de porter collaboration pour la police à tourner dans la zone de la Cité Soleil, en bas de la ville. Là. Toute ligne qui passait Cité Soleil, du Vivier, côté des bandits armés. Au mois de juin, au début du mois de juin, attaquer 5 commissariats de police, tuer 5 policiers, saisir 17 armes. Dans quel objectif? Pour affaiblir la police. Pour continuer à commettre des crimes. Malgré la frappe, nous prenons son institution. Nous travaillons avec des plus professionnels, chercher plus de moyens pour monter plus d'opérations. Et quel que soit côté sous territoire, il y a un problème. La police avec approche, avec stratégie que la mettez sous pied, à retourner sur place, pour contrôler l'espace, continuer pour appeler. Voilà la déclaration DGA et la police. Léon Charles, le collectif avocat qui a défendu Amounio, qui exprimait tête chargée au gain devant phénomène kidnapping dans un pays, cadeau, critiqué comportement autorité concernée. L'idée qui plus a plaigné, annoncé mais il sans aucune disposition pas prend pour capable stopper phénomène ça. Façon kidnapping a pas opéré à qui a facilité prouver qu'il y a certaines autorités qui complice dans l'action. D'après M. Arnel Rémy, qui exigeait démission du directeur général PNH là, à qui a tout reste l'État. En côté M. Arnel Rémy dans micro Romanès samedi. Parce que leur arrêté, leur bandit vient kidnapper. C'est grave. Dernier kidnapping qui fait dans l'avenue Charles Sommer, bien avenue Christophe, le docteur là. Mm-hmm. Bah, elle a fait sous vidéo et dit comme si. Live. Oui. Détenti. Tout va bien, madame la marquise. Ça va. Elle dit personne ne va pas avoir un suivi fait. Mais non, vous venez mettre tête dans une situation, on se questionne sur les institutions policières. Parce que le policier, il a peur. Parce que l'arrivée devant nous dit, nous sommes en kidnapping, victime de kidnapping, il encourage au pays, sont de peur. Et peur dans qui résulte dans l'impunité, parce qu'il connaît même le temps qu'on est. Peut-être est-ce que c'est des appels téléphoniques de la police, pour dire, tu sais quoi là, faire des gens soient arrêtés à la gueule manou rapide. Mm-hmm. Bon, ce qu'on dit, c'est des gros bras. Il y a deux kidnappings qui ont fait, peut-être pas étonnant, les amènes des gros bras d'elle. Maintenant, il faut continuer dit tout. Est-ce que pas ta supposé bon coup de balai en vous en bien remédil en dans quelques institutions parce que présent surtout qu'on permette que kidnapping fait. Bon, on dit moun kap matériel pour faire kidnapping dans côté jeune ni. Elle dit j'on dit si gon kidnapping qu'a fait Delma 29 et puis pour arriver qu'a fort pour pas gon patrouille.